Eh bien, bonjour. Je reçois aujourd'hui William Goldnagel, qui est un vieil ami. Et on va essayer de discuter de ce qui est en train d'arriver à une association qui s'appelait Génération Identitaire et dont vous avez accepté d'assurer la défense. Et cette association vient d'être dissoute. Alors, cher maître, je voudrais vous poser toute une série de questions sur exactement le droit en France, parce que je croyais que le droit d'association faisait partie des droits constitutionnels, et il me semble que quelque chose de constitutionnel doit être extrêmement protégé. C'est un peu comme la liberté de réunion ou la liberté de culte, enfin, ça fait partie de ces. Et d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas grand-chose dans le dossier. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez même comment juridiquement le gouvernement actuel peut-il se permettre de dissoudre des gens qui ne sont coupables de rien? Charles Gave, Oui. je crois que nous commençons mal. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Je vais vous dire pourquoi, parce que déjà me faire parler aujourd'hui du droit en France, c'est vous exposer à de très grandes désillusions. Je ne plaisante pas dans ce que je vais vous dire. Vous avez affaire à l'un des avocats les plus malheureux peut-être de France. C'est le cadre déjà de notre réflexion, hein, parce Absolument. que. Y a-t-il des avocats heureux? Oh, je pense qu'il y a des avocats plus heureux que moi. Ça, il n'y a pas d'autre. Non, mais comprenez-moi. Moi, quand je suis arrivé au barreau, j'avais une idée assez irénique du droit et de la justice française. Alors, c'est vrai que je suis rentré dans un cabinet qui était un cabinet d'intervention. Et donc j'étais vite déniaisé, si j'ose dire, et j'ai vu effectivement que les affaires signalées étaient arrangées. Mais malgré tout, et c'était déjà une grande violence pour moi, mais Et à c'était quelle comme ça. époque était-ce? Nous sommes, on va dire, en 1980. Donc la fin Giscard et l'arrivée de Mitterrand, quoi. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Mais les contentieux de masse, toutes les affaires qui n'étaient pas signalées, étaient traitées assez normalement. Rappelez-moi ce que c'était qu'une affaire signalée. Une affaire signalée, c'était des affaires parce que la personne en question faisait l'objet d'une détestation particulière, ou d'une adoration particulière, ou d'une importance financière ou politique particulière. On disait que cette affaire-là était signalée. Il faut comprendre, mais on est loin de notre sujet, mais Non, il faut commencer par là. c'est le cadre général, si vous voulez. Il faut comprendre qu'à l'époque, et c'est peut-être ce qui a changé beaucoup, à l'époque, les juges marchaient à l'avancement. Nous avons l'avantage, en France, de ne pas avoir une justice corrompue. Il y a très peu de juges qui touchent. Par contre, le juge est un être de chair et de sang, et par conséquent, il aspire, de manière légitime, à monter dans la carrière, à gagner mieux sa vie, etc. Dans ce cas-là, effectivement, il fallait être bien noté. Donc on mettait dans les affaires signalées des juges qui étaient bien notés. Alors, d'une part, on mettait dans les affaires signalées des juges qui étaient bien notés, mais j'insiste sur un point. À l'époque, la notation était faite en fonction des erreurs que vous aviez ou non commises. Autrement dit, un juge d'instruction qui était trop souvent infirmé par le tribunal, ou un président de tribunal trop souvent infirmé par la cour, ou une cour d'appel trop souvent cassée par la cour de cassation, n'avançait pas. Et c'était assez justice, parce que le meilleur moyen d'être le moins possible infirmé, c'était de respecter la règle légale. Et puis un jour, à force que les syndicats fassent pression, on a supprimé cette notation-là. Est-ce que je peux vous interrompre Oui. ici? Parce que quelque part, au début, il n'y avait pas les juges qui sortaient de l'école des juges, si j'ose dire. C'était des anciens qui étaient là depuis longtemps, et puis toute cette génération ancienne a dû dire, ça va être remplacée par des juges qui venaient de l'école de la magistrature.
Je crois que, indépendamment de l'origine des juges, alors c'est vrai que le juge a beaucoup changé. Il y a eu ce phénomène-là, il y a aussi le phénomène de la féminisation du corps des magistrats. Mais en dehors de ça, il faut bien comprendre que l'abandon du système de notation a créé une sorte de juge de magistrat atomisé. Il pouvait se permettre ensuite de juger non plus forcément selon le droit, mais selon la conception qu'ils se font de l'équité, d'accord ? Puisque de toute manière, ça n'allait rien changer sur leur carrière. D'ailleurs, mes copains magistrats me confessent bien volontiers, le juge ne va pas voir ce que dit le tribunal ne va pas voir ce que dit la cour, et la cour se fout pas mal d'avoir été cassée. Il faut comprendre ça. Donc, aujourd'hui, le juge fait fonction de sa propre liberté ou de l'idée qu'il se fait de sa liberté, et gouverné soit quand même, c'est certain, par le culte du droit, mais beaucoup plus, à mon point de vue, par le culte de l'équité ou de leur idéologie. Et donc, ça a été une révolution complète en matière de sécurité juridique. Il y a 30 ans, quelqu'un qui rentrait dans mon bureau, je peux vous dire que je lui donnais son avenir. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans mon bureau et qui souvent a une affaire un peu délicate, il faut le reconnaître, j'ai plus peur encore que lui. Je ne plaisante pas, Charles. J'ai plus peur que lui parce que je suis incapable d'abord de lui dire ce qui va lui arriver et quand ça va lui arriver, parce qu'il faut rajouter la paralysie judiciaire dans laquelle nous nous trouvons. Raison pourquoi, je pourrais vous en parler pendant des heures, celui qui vous parle est l'un des avocats qui, avant, était un avocat assez heureux et qui est maintenant un avocat très malheureux. Ce que vous êtes en train de me dire, dans le fond, c'est deux choses. La première, c'est que ça ne sert plus grand-chose de bien connaître le droit si on est un avocat, puisque vous ne savez pas la façon dont le droit... Et la deuxième, c'est que les juges sont passés de l'interprétation de la loi à la fabrication de la loi. C'est-à-dire qu'ils essayent de faire des jurisprudences qui iront ensuite dans le sens de ce qu'ils ont décidé. Vous avez merveilleusement compris, il y a quelques années, je passais ma vie le nez dans les livres de jurisprudence pour trouver qui une nullité, qui un argument, bien etc. Sûr, et aujourd'hui, j'ai l'impression que la connaissance ou même la reconversion par rapport au changement de loi ne sert pratiquement de rien. Je vous le dis. Donc on vit dans une instabilité juridique totale. Nous vivons dans un système très insécure. Et le... Bien. Écoutez, je veux dire, nous sommes dans un pays quand même où des juges, sans être sanctionnés, peuvent dire que voler le portrait d'un président de la République dans une mairie n'est pas un délit parce que vous obéissez à un état de nécessité. Quand vous êtes dans ce système d'aberration impunie, ça, certes, c'est quelque chose de caricatural, c'est le cas de le dire, mais malgré tout, d'assez emblématique, c'est aussi le cas de le dire. Ben, c'est l'histoire du mur des cons, si j'ose dire. C'est que des juges se permettent de mettre sur dans un local syndical pour se moquer de gens qui vont devoir juger après. C'est-à-dire qu'ils sont complètement sortis de la neutralité du juge. Alors, je vais tempérer quand même cette affaire. Allez-y. Permettez-moi de vous... Parce que c'est moi qui l'ai mené, du début jusqu'à la fin, avec mon ami, si j'ose dire, Clément Villerénal, le journaliste. Le mur des cons a illustré effectivement la puissance de l'idéologie au sein du corps de la magistrature, puisqu'il a été prouvé qu'un syndicat puissant de magistrats, qui représentait à l'époque un tiers des juges syndiqués, était capable de puniser sur son mur
les ses opposants politiques et plus et également des parents de victimes assassinées, ce qui montre quand même le degré à la fois de détestation, de sottise et d'idéologie. Mais en même temps, cette affaire est assez révélatrice d'un élément quand même de températion, c'est que le parquet s'est opposé à nous. Nous avons rencontré les pires problèmes. Madame Martre a été épargnée pendant toute la durée de cette affaire. Mais à la fin de cette histoire, nous avons fini par gagner. Et je peux vous dire que vous avez vu le portrait apocalyptique que je brosse de la justice française. L'avocat qui vous parle malgré tout n'a jamais encore rencontré dans sa vie une affaire qui ne s'est pas terminée de manière juste. Malgré tout. Mais ça a pris du temps. Mais alors, vous, quand vous dites « ça a pris du temps », c'est plus que du temps. Parce que quand vous perdez en première instance et en appel, vous avez le temps de perdre votre emploi, vous avez le temps de perdre votre femme, vous avez le temps de perdre votre honneur, vous avez le temps de perdre votre santé. Donc, mais j'essaie d'être le plus juste possible avec la justice. Donc on est dans un monde où... dans le fond, c'est un peu comme le chat de La Fontaine, vous savez, là, qui cherche les droits de la justice et qui bouffe les deux. Mais elle est pas les deux plaignants. Mais alors là, on voit pas. Il le bouffe pour des raisons idéologiques, vous avez l'air de dire, ou parfois d'incompétence ou de manque de travail. Vous êtes capable effectivement de faire le cocktail. Il y a exactement tout ce que vous venez de dire. Et aussi, soyons justes aussi, de manque de moyens par moment, parce que la syndicalisation, c'est le cas de le dire. La judiciarisation de la société est elle-même un signe du temps. Vous n'avez pas... les hommes se disputent avec leurs femmes, les employés avec leurs patrons, les associés entre eux. Il n'y a plus... non mais je veux dire... Et toutes les affaires aussi de mœurs qui sont souvent créées médiatiquement, avec des lois uniquement de façade pour justement un petit peu épater la société, font qu'on a créé aussi artificiellement des contentieux que l'on n'est plus capable aujourd'hui de traiter. Hormis, je vais vous dire, les contentieux qui sont bien traités, ce sont les contentieux qui intéressent l'État pour des raisons idéologiques. À savoir, par exemple, la fraude fiscale, la grande fraude fiscale, est franchement très bien traitée. Je peux vous dire que j'en fais beaucoup moi-même, souvent d'ailleurs pas forcément du bon côté. J'atteste que le parquet, je ne vous parle pas du parquet financier dans les affaires politiques, que le parquet... Le parquet financier, c'est une juridiction d'exception, voilà, ça c'est autre chose. Bien sûr, mais que le parquet, les juges, à présent, font très bien leur travail. Ils le font la plupart du temps sans détestation. Et la justice financière est traitée en temps réel à record. Parce que les juges sont très motivés pour la combattre. Par contre, je ne souhaite surtout pas, cher Charles, que vous soyez, par exemple, victime d'un faisant, donc d'une affaire entre particuliers, parce que dans ce cas-là, je n'arriverai pas à récupérer votre argent avant 20 ans. Il fut un temps où dans les affaires entre particuliers, eh bien, le juge mettait le faisant en prison et on récupérait assez vite l'argent. C'est fini. Pour le juge,
ce sont des affaires entre particuliers. Ils ne sont pas plus préoccupés par ce genre de contentieux. Il faut le comprendre. L'État n'est pas lésé. Et laissez-moi deviner, j'imagine que les affaires fiscales, de fraude, etc., ne souffrent pas d'un manque de moyens. Pas du tout. Ah, mais pas du tout. Ah, mais là... Là, on a tous les moyens qu'on veut. On a tous les moyens qu'on veut, et même quelquefois une débauche de moyens. Voilà, voilà. Donc c'est quand l'État décide qu'on a besoin de juger pour quelque chose qui l'intéresse, miraculeusement, il n'y a plus aucun problème. Tout va bien. Mais tout, non, mais vraiment, tout va bien, mais il reste. Donc il vaut mieux frauder l'État. Et si on veut, si on veut frauder quelqu'un, il vaut beaucoup mieux frauder son voisin de palier que l'État, quoi. Ah, mais bien sûr. C'est beaucoup moins dangereux. Ah, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Ah oui? Mais alors, la justice qui est chargée, censée être rendue au nom du peuple français, il est rendu au nom de l'État français. Je vous ai dit que... Elle est rendue au nom de l'État français. Je vous ai dit que j'étais... Oui, vous avez raison. C'est l'État qui, dans le fond, instrumente la justice pour se faire justice le plus rapidement possible. Et ce qui arrive aux autres, ça le concerne beaucoup moins. Non, mais c'est très étrange ce que vous dites, parce que vous avez raison. Le juge, là, a le sens de l'État, le sens très, très étrange. Est-ce qu'il est intéressé au résultat de ses poursuites? Non, non. Il n'a pas des bonus? Non, non, mais je crois qu'il a une détestation particulière, en tous les cas, une détestation, une antipathie particulière, qui peut être d'ailleurs compréhensible, mais qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez les auteurs de violences, à qui il trouve beaucoup de circonstances atténuantes. Et là où l'appareil répressif ne marche plus. Et où oui, la machine... On a reçu beaucoup de gens ici, dans des enquêtes menées par des anciens commissaires divisionnaires, etc., qui montrent bien qu'il y a un hiatus qui s'est creusé entre la police et la justice qui est devenu incroyable. Oui, oui, et qui n'existe pas entre la police financière et la justice financière. Ces gens-là s'entendent très bien. Donc revenons à notre sujet. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a... Qu'on a campé cette histoire. Donc, là, l'État est partie prenante. Il a jugé, bon, c'est pas financier, mais c'est une décision politique qui a été prise, je crois, de dissoudre. Est-ce que c'est pas la politique? Parce que je ne considère pas que M. Darmanin, que par ailleurs... Il est ministre de l'Intérieur. Oui, il est ministre de l'Intérieur. Il est régalien. Je lui fais le procès d'intention de ne pas, dans cette affaire, être intéressé par l'intérêt de l'État. Il est intéressé par l'intérêt du gouvernement et de son président. Voilà, c'est tout. Alors, c'est une accusation assez grave que vous faites là, parce que vous êtes en train de dire que... la violence légitime, qui est le privilège de l'État, est instrumentalisée pour, dans le fond, servir les intérêts de gens qui sont aux commandes de l'État aujourd'hui, encore une fois, de par la volonté du peuple, mais qui ne sont pas souverains. Non, mais vous comprenez mon... Mais je fais le naïf, là. Non, mais ça va très loin, mon désappointement. Parce que moi, j'ai de l'estime pour Darmanin, j'entretiens de bons rapports avec lui. J'ai été surpris et déçu par son attitude. Pourquoi ? Pour rentrer dans le cœur du sujet. C'est quelqu'un qui arrive et qui est le premier à blâmer l'impuissance d'État en matière de régulation des flux migratoires, en matière de respect du droit des frontières, du droit de l'État. Le premier, ça doit être le millième ou le dix millième, parce que depuis Giscard, si vous voulez, on nous a dit, tout le monde se plaignait, y compris ceux qui étaient au pouvoir, de l'incapacité d'arrêter les flux migratoires. Donc c'est pas le premier. Non, cher Charles, il est arrivé en expliquant que lui... On allait voir si on allait voir. Au rebours des autres, on allait raccompagner les délinquants, etc. Ça ne se passera pas comme ça se passait. Il maudissait l'impuissance d'État. Or, l'un de ses premiers gestes régaliens, si j'ose dire, c'est justement de s'en prendre à de jeunes désespérés de l'impuissance d'État. Mais des jeunes qui d'ailleurs, non seulement ils sont désespérés, je m'excuse de vous interrompre, mais
qui aussi cherche à aider l'État dans son rôle constitutionnel qui est de protéger les frontières. Oui, alors ne soyons pas aussi naïfs que cela. Les jeunes que j'ai accepté de défendre pour cette affaire-là sont quand même dans une sorte de moquerie. Ils sont dans l'agite propre. C'est évident. Ils montrent de manière symbolique ce qu'il faudrait faire. Et le montrant, ils sont particulièrement caustiques avec ce qui n'est pas fait. Donc, ils ne sont... Voilà, Mais si on doit condamner les gens qui font de l'ironie, on n'est pas rendu. Hein. Mais c'est bien pour ça que j'ai accepté. C'est bien pour ça que j'ai accepté de me saisir de cette J'avais affaire. J'avais cru comprendre que vous étiez porté volontaire même. Non. Ils sont venus voir. Ils sont venus me voir. Ah, ils étaient déjà venus me voir lorsque ils avaient été condamnés par le tribunal de Gap pour leur action dans les Alpes. Et ils voulaient que je plaide pour eux devant le tribunal, devant la cour d'appel de Grenoble en appel. Et je ne pouvais pas, parce que j'ai une affaire importante à plaider ce jour-là, et je le regrettais parce que j'y serais allé, mais je leur avais dit que je pensais qu'il n'allait pas être condamné tant le jugement du tribunal correctionnel de Gap était vraiment inepte, pardon de le dire, mais d'ailleurs les poursuites du parquet étaient déjà dénuées de sens. Il y avait un classement sans suite, et puis par pression politique on les avait reprises, et puis vous avez vu finalement, on leur reprochait d'avoir usurpé l'uniforme des gendarmes pour leur trouver un délit. Or, les scénarios qu'ils ont étaient très dissemblables d'un costume de gendarme. Il y avait en plus leur sigle Génération Identitaire. Ça ne tenait pas la route. Et effectivement, la cour d'appel de Grenoble, dans sa sagesse et son honnêteté intellectuelle, l'a constaté. Donc, mais ça, j'aurais bien plaidé pour eux. Et arrive justement cette affaire-là, où ils sont revenus me demander si je voulais m'en occuper, quoique ne partageant pas toutes les idées de Génération Identitaire. Mais si un avocat devait s'occuper que des affaires des gens dont il partage les idées, il risquerait d'avoir très peu de clients aussi. Mais en même temps, c'est une obligation pour vous. Non, mais vous savez, je me maudis moi-même d'avoir à vous donner cette explication qui ressemble quelque part à une justification inconsciente, parce que nous sommes dans un système où, par exemple, l'avocat de Norman Lelandais m'a reproché de défendre Génération Identitaire. Je n'ai jamais trouvé... Mais c'est une dérive très grave, parce qu'elle se passe dans le monde entier. C'est très grave. Mais ça se passe pas dans le monde entier, parce que j'ai vu que, par exemple, aux États-Unis, lors des élections présidentielles, il y a plusieurs grands cabinets d'avocats qui étant l'objet de pressions monstrueuses de la part de leurs grands clients, style Coca-Cola, etc., ont abandonné le président 10 jours avant l'élection. Vous vous rendez compte que vous pouvez... Je n'ai jamais vu... Les avocats de djihadistes être mis en cause. Jamais. Et je m'en réjouis. Mais moi, par exemple, quand j'ai défendu M. Philippot contre le Qatar, eh bien, certains faibles d'esprit m'ont reproché de défendre M. Philippot, mais je n'ai pas vu que quelqu'un reproche à mon excellent confrère et ami Spinner de défendre l'émirat islamiste. C'est bien qu'il existe une idéologie forte qui, malgré tout, dénie aux avocats la liberté de défendre qui ils estiment devoir défendre. Mais c'est la moindre des choses. Et aussi curieux que ça paraisse, vous m'arrêterez si je dis une bêtise, mais ça m'arrive souvent, donc c'est pas trop grave. Allons. Mais c'est que la nécessité d'un avocat pour défendre la cause du prévenu vient de l'Inquisition. C'était les premiers qui ont dit on ne peut pas avoir des gens uniquement à charge, il faut qu'il y ait un avocat qui soit là pour le défendre. Donc c'est déjà l'Église catholique, quelque part, ou une partie de l'Église catholique, reconnaissait de sa grande sagesse qu'il fallait qu'il y ait un avocat. Et donc ça remonte loin, quoi. Ça remonte très très loin. Mais voilà, non, mais je l'ai constaté. C'est une perte du sens citoyen, ça. C'est-à-dire, on condamne le gars
avant même qu'il ait été condamné. Ce sont les ravages de l'idéologie. Cette idéologie, voilà, c'est tout. L'idéologie, c'est ce qui permet de ne pas penser, comme disait Schwab. Oui, exactement. Vraiment, je suis sûr d'être exact. Mais voilà, et ben, vous avez de bons auteurs. Oui, oh, ben, oui, il y en avait. Oui, on en reparlera des bons auteurs si on a 5 minutes, parce qu'il y a des choses à dire là aussi. Mais donc, vous acceptez de les défendre. Mais alors maintenant, du point de vue juridique, quelle va être la thèse du gouvernement lorsqu'il va se retrouver en appel au Conseil d'État ou je ne sais pas où? Non mais... Sur quoi s'appuie-t-il? Il faut comprendre non seulement l'inanité du raisonnement gouvernemental, mais également sa dangerosité terrible. Parce que nous arrivions à un moment, si j'ose dire, en France, de l'histoire des idées, où, d'une certaine manière, appelons-la la droite pour faire court, mais à laquelle il me semblait associer M. Darmanin, où le fait de considérer que l'immigration n'est pas une chance pour la France n'était plus considéré comme consubstantiel de racisme. Ou le fait de considérer que, au contraire, une immigration massive, trop importante, trop rapide, illégale, était au contraire de vecteur d'insécurité ou des terrorismes, était une idée acquise au débat, même au-delà, loin du camp de la droite, à telle enseigne que même chez les insoumis, une portion non négligeable souhaite, au moins en secret quand on les sonde, limiter l'immigration. Autrement dit, la contestation de l'immigration est même une contestation vive, virulente, acérée, argumentée, considérée comme la principale préoccupation, était devenue exclusive de toute haine, de tout sentiment haineux. Eh bien, dans le raisonnement du gouvernement, il faut le comprendre, hein, le gouvernement, il vous dit d'abord, ces gens-là, ça va très loin. Je me permets de vous rappeler quand même que le prédécesseur de M. Darmanin, M. Castaner, quelques jours avant, il était l'invité de France Inter et il était très content de l'initiative de son successeur, mais il avait confessé qu'il avait demandé à ses services juridiques d'étudier la possibilité de dissoudre Génération Identitaire, et ses services étaient revenus penauds en disant « Monsieur, on ne peut pas !» Et quelques jours après, il y a eu l'opération des Pyrénées, oui, je me souviens, qui était l'opération montagnarde jumelle de l'opération des Alpes, où M. Darmanin a dit « C'est un scandale, etc. » Or, nous savons scientifiquement, en laboratoire judiciaire, que cette opération des Pyrénées ne peut être plus critiquable juridiquement que l'opération alpine qui a été blanchie par la justice. Donc ça, c'est le principal reproche gouvernemental. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une jurisprudence un petit peu accablante déjà. Et qu'ils sont passés outre. Alors, ils vous disent aussi simplement, ils en sont à vous dire que comme ils critiquent l'immigration, ou par exemple, de temps en temps, ils utilisent le mot « racaille », ils seraient racistes. Or, il n'y a pas... Attendez, une racaille, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi, non? Alors, on peut... En principe, parce que oui, les immigrés illégaux, ils sont pas, ils respectent pas la loi française. Oui, oui, d'accord, mais vous avez parlé d'immigrés. On peut dire quand même que de manière faussement codée, lorsque on utilise le mot racaille, dans notre subconscient, nous songeons à l'immigré, mais parfaitement, nous ne songeons pas à tous les immigrés, et quand bien même, de toute manière, les immigrés, c'est pas une race, c'est pas une religion, c'est donc, vous pouvez critiquer jusqu'à demain l'immigration, considérer que vous ne pouvez pas être condamné en justice. Donc, ils en sont réduits à un raisonnement juridique, mais totalement,
totalement fallacieux. Mais pour vous montrer à quel point, et je terminerai avec les arguments gouvernementaux, pour vous montrer à quel point ils sont, passez-moi l'expression, à la rue juridique, ils en sont aussi à considérer que les générations identitaires seraient une milice. Or, la jurisprudence en matière de milice, c'est que quand vous fondez une milice, vous l'armez. Alors, soit vous l'armez, soit vous faites des camps d'entraînement et vous faites une sélection physique. Pardonnez-moi, cher Charles, mais si demain nous voulions, vous et moi, adhérer à Génération Identitaire, nous pourrions parfaitement, j'imagine en payant une cotisation, faire partie de Génération Identitaire sans avoir à satisfaire à cette sélection physique, ce qui fait que nous n'entrerions pas dans une milice. Et pour vous montrer... Je me vois mal courir dans la montagne par moins 10 avec des brodequins moi et tout. Non plus. Moi non plus. J'ai plus l'âge. Donc, mais si vous voulez, et pour vous montrer à quel point le ils sont sans argumentation, c'est que le jeune porte-parole du gouvernement, Monsieur Attal, lorsqu'il a essayé de vendre à la radio-télévision la dissolution ministérielle de Génération Identitaire, le premier argument qu'il a sorti, c'est l'argument de ce type dont j'ai oublié le nom, qui a massacré quelques malheureux musulmans en Nouvelle-Zélande. Ah oui, oui. Et ce type-là, il se trouve que 2 ans avant, je vous dis bien 2 ans avant l'ignoble massacre, il avait envoyé, il s'agit d'un fantasque, il avait envoyé un chèque, je crois, en tout cas 1 000 euros à Génération Identitaire, qui s'était fait, il ne le connaissait pas, un plaisir de les toucher. C'est pas tous les jours qu'on doit leur envoyer... Qu'on doit leur envoyer 1 000 euros. On peut imaginer effectivement qu'on puisse ce type, ce fou furieux, ait pu considérer une association qui milite contre l'immigration comme effectivement en harmonie avec une partie de ses idées. Eh bien, il a commis son massacre 2 ans après. Ça fait quand Génération Identitaire a pris qu'ils avaient été les récipiendaires de l'argent de ce monstre, ils ont donné ce chèque, le montant de ce chèque à une œuvre humanitaire, eh bien, ça fait partie des griefs. Autrement dit, cher Charles, si demain... Mais attendez une seconde, je peux vous arrêter là, parce qu'à l'époque, il n'avait rien fait d'illégal. Mais rien, il ne le connaissait pas. Donc, on ne peut pas condamner un gars sur ce qu'il va faire 5 ans plus tard. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de dissoudre par anticipation de la Croix-Rouge. Si moi, je décide demain matin à 9h d'envoyer un chèque à la Croix-Rouge, peut-être que ça sera moins de 1 000 euros, ne m'en voulez pas. Bien. Et que ensuite, dans 2 ans, je me livre à je ne sais quelle exaction, vous pourrez imaginer qu'il y a un ministre qui décide de dissoudre la Croix-Rouge. Non mais c'est aussi, excusez-moi de vous le dire, c'est aussi affolant sur le plan du raisonnement que ça. Je n'exagère pas. Mais c'est effrayant parce que... Oui, c'est le mot. Hein. C'est effrayant parce que la structure d'une société, c'est le droit. Et le droit, qu'on le veuille ou non, comme nous l'ont appris les Romains en tout cas, c'est un peu une branche de la logique. C'est-à-dire, bon, c'est des raisonnements. A entraîne B, qui entraîne C, qui entraîne D, donc vous allez en prison, vous voyez ce que je veux dire, c'est ou pas. Mais là, on sort de toute logique. Non mais là, on n'est pas dans le droit, excusez-moi. Mais là, voilà, on n'est plus dans la logique. Là, on se veut dans la morale, mais en vérité, nous sommes dans la perversité. C'est un raisonnement pervers. Un raisonnement pervers qui permettrait de condamner tout le monde, n'importe qui. Je viens de vous dire que je tenais la Croix-Rouge entre mes mains. Donc, il n'y a pas de doute. Donc, pour faire sauter la Croix-Rouge, il faut s'attirer. Ça montre à quel point ils sont obligés de faire flèche de tous les plus mauvais bois qui soient. Pourquoi ? Mais parce que... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à défendre des positions indéfendables ? Alors, pardon. Non, mais d'abord,
il fallait bien qu'il trouve des raisons juridiques, puisque nous savons, par la bouche de Castaner, qu'il n'en avait pas. Ça, c'est aussi scientifique. Est-ce que le juge peut demander le dossier qui a été fourni au ministre pour dire que ce n'était pas possible? Ah non, mais bien, non, mais le ministre a donné ses arguments, il a sans doute, il n'y a pas de preuves, ils ont dit aussi, je vais être complet, je ne veux rien cacher, ils ont dit aussi qu'avec des petits gars de génération identitaire qui avaient été condamnés, pas du tout dans le cadre d'opérations de génération identitaire, mais qui avaient été condamnés à quelques amendes, etc. Je vous garantis que si je vais regarder le Parti communiste français, on va trouver aussi des gens qui ont été condamnés à des amendes, hein, et peut-être à bien davantage. N'allez pas, Torres, par exemple. Pardon? Torres, qui avait déserté. Ah, bah, ça, oui. Mais enfin, il faut reconnaître qu'à l'époque, le Parti communiste aussi avait été interdit un temps. Oui, j'entends bien. D'accord. Mais non, mais. Ben oui, puisqu'il n'avait pas approuvé les. Il avait approuvé le pacte. Donc, ils sont. Alors, mais, et donc, ils ont pas. Alors, quelle va être la réaction du Conseil d'État? Alors là, si je vivais dans un... Si vous viviez il y a 30 ans, vous n'auriez aucun doute. Non mais, Charles, si je vivais dans un état de droit et si j'étais un avocat, l'avocat heureux que j'étais il y a 30 ans, j'irais devant le Conseil d'État, les mains dans la poche et en sifflant. Et là, j'irais devant le Conseil d'État en tremblant. Je vis dans un pays qui n'est plus tout à fait, de mon point de vue, un état de droit, parce que par un symbole terrible, permettez-moi de vous le dire, Monsieur Cédric Herrou, qui est, si j'ose dire, le contraire de génération identitaire, qui va de l'autre côté de la montagne. Ah oui, pour faire rentrer des gens. Pour faire rentrer des illégaux. Celui-là a été relaxé avec, si j'ose dire, les compliments du Conseil constitutionnel qui, pour les besoins de la cause, a inventé un principe de fraternité qui n'existe en vérité que sur les frontons des mairies. Ça n'existait pas. Eh bien, aujourd'hui, n'importe qui, Charles, peut aller derrière les Alpes ou derrière les Pyrénées. C'est-à-dire que, dans le fond, ce qu'ils font, ils essayent de faire un parallèle, par exemple, avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a toute une série de citoyens qui ont essayé d'aider les Juifs à se cacher, à se barrer, etc. Et là, ils disent que c'était des pauvres gens, et donc ça part du même principe de fraternité. Mais il n'y a pas de rapport entre les deux. Non, mais en vérité, votre réflexion factuelle, ou juridique, ou pratique, nous mènerait au plus profond. Non, mais. Ce qui nous tue, pardon de vous le dire, parce que là, vous êtes au cœur de mes thèses. Là, on n'est plus dans le droit. Vous êtes au cœur de mes thèses de réflexion. Ça fait 30 ans que j'écris, sur tous les tons, que nous mourons de la Shoah qui a fait devenir fou les gens. La shoatisation de la vie. Vous savez, oui, moi, je... Absolument. C'est que la Shoah me hante. Mais évidemment. Une partie... Elle hante tout le monde. Enfin, tout le monde. Non, mais permettez-moi de vous le dire deux secondes. Les Juifs, plus que de bonté. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas spécialement un Juif honteux. J'en parle, pas forcément tous les jours, mais je peux vous dire que la Shoah me hante tous les jours. Mais la shoatisation, à tort et à travers, est pour moi la plus grande insulte faite à la Shoah. Et de comparer l'incomparable est pour moi non seulement une insulte aux victimes de la Shoah, mais a fait le plus grand tort aux gens, au monde, parce que effectivement, il n'y a aucun rapport, okay, pas le moindre rapport entre un Ivoirien qui s'affranchit de toutes les règles, pour venir pour de pures raisons économiques ou financières en France sans l'autorisation de la France, et effectivement un juif qui fuyait Adolf Hitler, et la plupart du temps qu'on refusait, la plupart du temps au demeurant que l'on refusait.
Non, mais ce qui est terrible en même temps, c'est que cette compassion qui aurait dû s'exercer à l'époque s'exerce avec beaucoup de retard et à très mauvais escient. Et elle s'exerce contre les États-nations, qui sont les derniers remparts contre la barbarie à visage urbain, et vous me permettrez d'aller plus loin encore dans ma réflexion, c'est que l'État juif lui-même est la dernière victime du diable ou d'Adolf Hitler ou de la perversion de la Shoah, puisque on lui reproche à lui particulièrement le fait d'être un État-nation. Pourquoi ? Parce qu'il est vécu par les idéologues qui nous tuent comme l'exact traître du juif en pyjama rayé. Oui, c'est tout à fait exact et c'est une... C'est quelque chose qui est très difficile à combattre, parce que ça touche, et on le voit par exemple avec l'exemple de notre pape, qui est certainement pas l'un, qui est certainement pas l'un de mes papes préférés, mais qui n'arrête pas dans le fond de dire que dans la religion chrétienne, il faut accepter l'étranger, le faire rentrer, etc. Oui. Mais c'était dans une société, si j'ose dire, où l'État-nation n'existe pas. Or la loi ne peut exister que dans le cadre d'une nation. Oui, mais... Il ne peut pas y avoir de loi qui soit applicable en dehors d'une nation, puisque ce n'est pas possible. Mais Charles, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire là, c'est que la Shoah qui rend fou a eu comme conséquence ce que j'appelle la dilection pour l'altérité. Oui, c'est ça. Voilà, c'est que ce pape est aujourd'hui plus préoccupé par la sécurité... ou le bonheur ou le bien-être ou je sais pas quoi du migrant plutôt que de la population souvent chrétienne qui se trouve sur le territoire où arrive le migrant ou du chrétien d'Orient dont il s'occupe très peu. Ils ont mis le Vatican aura mis des années avant que de se préoccuper de la situation des chrétiens d'Orient. C'est ça la dilection pour l'altérité. D'une certaine manière, vous savez bien que Chesterton disait que le gauchisme, c'était le post-christianisme, c'était le christianisme devenu fou. Il se trouve que l'Église chrétienne elle-même est devenue post-chrétienne. Mais c'est, la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est donc, alors, ça, on va dans des idées qui sont assez importantes et assez profondes. Et... Dans le fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le refus de considérer la nation comme un être objectif serait progressiste. Oui. Ça va dans le sens de l'histoire, en quelque sorte. Ah, je ne sais pas si ça va dans le sens de l'histoire. Mais en fait, c'est ce qu'ils nous disent. Bien sûr. Et Jean-Paul II, qui était un pape... J'ai beaucoup aimé. Oui. Disait que une démocratie ne peut pas exister en dehors de la nation. Parce que la nation, c'est la volonté de vivre ensemble, on s'en le sait tous, et que vous aviez deux composantes, c'était que les électeurs élisaient un chef et que celui qui avait perdu reconnaissait sa défaite. Et c'était ces deux composantes qui permettaient à la nation de survivre. Et je ne sais pas si vous remarquez aujourd'hui, ceux qui sont partisans de la thèse de l'étranger et qui ont dû accepter ne reconnaissent plus la défaite quand ils sont battus aux urnes. Et ils vont jusqu'à un point qui est très important, c'est qu'ils essayent par tous les moyens de ne pas aller aux urnes, parce qu'ils savent qu'ils seront condamnés. Donc quelque part, cet effort de détruire la nation est un effort qui va automatiquement amener à la destruction de la démocratie. Qui ne peut exister que dans une nation. On l'a vécu assez bien dans l'épisode américain pendant 4 ans. Oui, exactement. Où le président est élu, s'est vu refuser toute légitimité pendant 4 ans. Non seulement ça, mais ce qui m'a le plus surpris dans ces 4 ans, c'est qu'il n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du ministère de la Justice américain. Jamais. Et donc il a fini par sauter parce que chaque fois qu'il demandait à ce qu'on poursuive un de ses ennemis, il ne se passait rien. Donc, ces gens-là, donc. Capturent l'appareil d'État et ensuite s'en servent à des fins partisanes. Mais si la justice devient partisane, on est mal barré, non ?
Là, en l'occurrence, alors là, en l'occurrence, dans ce qui fait que vous ayez eu la bonté de m'inviter, ça n'est pas la justice, hein, c'est encore une fois... C'est le pouvoir politique qui instrumentalise la justice. C'est le pouvoir politique qui essaye d'instrumentaliser la justice, mais qui, je vous avoue, hein, très sincèrement, et pour devenir un peu pragmatique, je ne suis pas sûr, pour parler le langage courant, que ce soit bien malin. On a bien compris que nous sommes dans c'est le gouvernement du en même temps. Donc, on avait dissous des organisations islamistes, et aux grandes dames d'une partie de la gauche, y compris du mouvement d'En Marche, il fallait donc s'en excuser ou se faire pardonner en tapant un coup sur la droite. Mais très sincèrement, moi ce que j'observe, si vous voulez, c'est que... Ils ont fait une publicité pas croyable à cette organisation, du coup. Alors, ils ont fait une publicité... Mais moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont vraiment très loin de Génération Identitaire, très loin, et être extrêmement critiques par rapport à la dissolution. Très critiques. Et ce qui fait que je ne vois pas très bien... Quelle voie à gauche ils vont gagner, mais je vois bien quelle voie à droite ils vont perdre. Donc, je vous avoue que ce gouvernement, entre cette opération tout à fait discutable sur le plan juridique, je vous l'ai dit, moral et politique, ensuite, on vient effectivement, vous savez bien, à cette repentance qui ne cache pas son nom en ce qui concerne le rapport Stora. Ça, c'est un autre truc aussi. Et puis, c'est la première fois, je crois, dans l'histoire, que le roi de France n'aime pas son pays. C'est quand même une drôle de chose. Oui. Et est-ce qu'il ne l'aime pas? Mais est-ce qu'il y croit, son pays? Je crois qu'il ne croit pas, son pays. Ah non, il est comme Giscard, qui trouvait que la France était trop petite. Oui, oui. C'est un grand sujet, si vous voulez. Ce que je dis toujours aux gens, c'est le futur appartient aux minorités. C'est les minorités qui sont le sel du monde, c'est jamais là. Alors, ça nous amène où? Parce qu'il me semble que le Conseil d'État se retrouve avec une patate très chaude, non? Écoutez, franchement, je... Qui est le patron du Conseil d'État? Conseil d'État, ces dernières années, vous savez. Alors, ça nous mène à autre chose. Je ne sais pas combien de temps encore nous avons. Écoutez, en mettant encore 5 ou 10 minutes, tant qu'on a quelque chose à dire, on parle. D'accord. Le... Il faut voir que les soi-disant serviteurs de l'État, ces dernières années, ont détruit l'État. Et que, non mais quand vous regardez, les arrêts du Conseil d'État, faut comprendre les institutions, les arrêts du Conseil d'État ont considérablement affaibli l'État en matière d'éducation, en matière de d'immigration, pareil pour la commission, vous savez, consultative du droit d'asile, la commission consultative du droit d'asile, et cette commission qui a retoqué l'OPFRA, qui est pourtant un organisme qui est très bienveillant, et les 4 ou 5 derniers terroristes avaient été libérés, en tous les cas n'avaient pas été expulsés par la grâce de cette commission. Vous avez la visiteuse des prisons qui vient du Canard Enchaîné, qui veut ouvrir les prisons. Vous avez la dame qui a succédé à Jacques Toubon, qui avait déjà fait complètement sa mue au sein du Conseil des droits de l'homme. Il y en a pas un peu trop qui refuse, vous savez bien, qui propose de supprimer les contrôles d'identité dans les zones chaudes, dans les banlieues. Vous avez l'Observatoire de la laïcité qui a tout fait pour saborder la laïcité. Donc, et si vous allez en Europe, quand vous avez la Cour européenne des droits de l'homme, qui est farcie de juges acquis à Monsieur Soros, vous le savez. Qui l'a payé, en fait. Vous le savez sans doute. Eh bien, la France
est condamnée lorsqu'elle veut expulser un terroriste algérien, le renvoyer vers l'Algérie, elle est condamnée parce que, et là on fait encore de la philosophie, c'est la même, c'est la dilection pour l'altérité, parce que ce terroriste courrait des risques en Algérie. Autrement dit, il est acquis au débat que la Cour européenne des droits de l'homme se soucie davantage de la sécurité d'un terroriste que de la sécurité des Européens. C'est quand, donc, vous comprenez, donc, quand vous m'interrogez, l'avocat malheureux qui vous parle pour savoir comment ça va se passer devant le Conseil d'État, vous avez des conseillers d'État qui ont été ces dernières années assez redoutables. Peut-être qu'on va passer devant, encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire, mais en tous les cas, je n'irai pas en sifflant et les mains dans les poches. Donc, très souvent dans ces réunions, quand j'interviewe un personnage aussi éminent que vous... Vous avez vu que je n'ai pas protesté. Non, vous avez bien fait. Non, mais j'ai rarement vu des gens résister à la flatterie. Mais c'est rare aussi qu'on m'ait fait un procès en modestie excessive. Oui, je veux bien le croire. Donc, là, on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire que l'État, en abandonnant toute sa souveraineté, toutes ses souverainetés pour les motifs les plus nobles, condamne les Français au malheur. Oui. C'est ça, parce que ce que vous dites de ça, c'est ça arrive de tous les sujets régaliens. Partout, vous avez les mêmes qui s'attachent à détruire les privilèges régaliens de l'État. Maintenant aussi, il faut reconnaître qu'on a le personnel peut-être politique, judiciaire, qu'on mérite, et qu'on doit s'interroger aussi sur ce qu'a été, ce qu'ont été les Français ces 30 dernières années. Est-ce que nous avons été assez combatifs? Je ne suis pas sûr. Mais alors là, je voudrais terminer là-dessus, et puis vous, bien sûr, me commenterez, mais moi je suis arrivé à la conclusion que ce dont souffre la France, c'est que dans le fond, dans un pays, vous avez trois niveaux. Vous avez le peuple, vous, moi, on essaye de se dépatouiller, d'avoir une famille, des enfants, vous voyez. Et le programme pour ces gens-là, c'est cesser de nous emmerder, comme aurait dit Pompidou, vous savez, c'est ça le... Oui. Puis vous avez la classe administrative qui gère l'État, qui est une machine extraordinairement compliquée, pour laquelle il faut des gens brillants, qui passent des diplômes, qui savent où sont les boulons, bon, très bien. Et tout en haut, vous avez le corps politique qui est le paratonnerre de la nation, vous savez, c'est tout en haut. Or, ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que le corps administratif a bouffé le politique. Nous n'avons plus de politique en France. Nous n'avons plus que des... Alors, je vais vous dire, Charles, je vais vous dire quelque chose. Quand nous avons dit ça, ou quand vous avez dit ça, nous avons oublié le principal. Oui, allez-y. Le personnel médiatique. Le personnel médiatique et intellectuel, tel qu'on l'a eu, a décérébré. Les Français, une grande partie du peuple français. Il suffit d'écouter France Inter, moi, chaque fois. Je m'arrache les cheveux. Vous savez bien que sur 40 ou 50 ans, c'est le plus grand exemple de décérébration de tous les temps. Parce qu'elle a été faite de manière insidieuse. Quand l'homo soviéticus lisait la Pravda, il savait que c'était un mensonge, il le lisait en se bouchant le nez pour ne pas être empoisonné par les lettres de plomb. Ou il croyait le contraire, absolument. Parce que s'il dit ça, c'est que c'est pas vrai. Tandis que pendant des années, plus maintenant, mais pendant des années, toute une partie du peuple français, de sa jeunesse, etc., ont été justement vaccinés à la sauce Shoah devenue folle, si vous voulez dire. On a vraiment transformé. C'est une véritable opération. Mais c'était les médias plus le corps enseignant. Oui. C'était les deux. Oui, bien sûr. C'est pour ce qu'on a appelé l'idéologie gauchisante, ou maintenant l'islamo-gauchisme, etc. Ce sont ceux-là, à n'en pas douter. Mais ils ont transformé une partie des Français, et il y a une partie des Français qui, bon, il y a Dieu merci, la majorité du peuple français, Dieu merci, pense comme nous quand même. Mais une partie
est devenu, on va dire, complètement vacciné, et ce vaccin-là, malheureusement, il marche, il y a toute une partie aussi qui ne se sent plus rien. Et qui ne va pas voter. Qui ne se sent plus rien. C'est ça le vrai drame, c'est qu'ils ne vont plus voter, et donc ils permettent à ces gens-là de rester en état minoritaire. Voilà. Et je pense que, vous voyez ce que je veux dire, ils ne se sentent... on leur a inculqué la honte d'être français, parce qu'être français, c'est être raciste, et d'être chrétien aussi, par la même occasion. Et on leur a inculqué aussi la honte, et vous voyez bien, d'être blanc. Dans ma théorie, c'est parce que dans le subconscient travaillé, nous avons en commun, malheureusement, le malheur et la honte de partager la même couleur de peau que l'antéchrist des temps modernes qui s'appelle Adolf Hitler. Je suis convaincu de ça, dans le subconscient humain. Bref, vous avez toute une partie des gens qui ne se sentent rien, et certainement pas, ni français, ni blanc. Ils sont autre chose. Ni chrétiens. Voilà. Et beaucoup de ni-juifs. Pardon ? Beaucoup de ni-juifs aussi, parce que ça a beaucoup travaillé aussi votre propre communauté, ça. Ces idées-là ont beaucoup travaillé votre communauté. Le cheminement intellectuel des Juifs, c'est, si j'ose dire, une histoire à part. Parce qu'ils ont fait quand même, eux sont quand même capables de comprendre ce qu'est la Shoah. Une partie des Juifs intellectuels ont au contraire, façonné, mais plus par utilisation cynique de cela. En gros, les trotskistes ont utilisé cet appareil-là pour justement détruire l'État-nation, et on sait que les Juifs n'étaient pas sous-représentés dans cette affaire-là, mais d'un autre côté aussi, une grande partie des Juifs, et je m'en réjouis, ont été réconfortés par l'idée d'Israël, ce qui fait qu'ils ne sont pas les ennemis de l'État-nation. Et je peux vous dire que même s'ils sont extrêmement mal représentés par ce qu'on appelle la communauté organisée en France, mais qui ne représente personne, sinon quelques individus qui veulent quelques hochets, une très grande partie aujourd'hui des Juifs de France qui aiment Israël, qui aiment l'État d'Israël, aiment autant la France. Je suis d'accord avec vous. Y compris, moi je peux vous dire que quand je pars en Israël, moi j'ai la double nationalité, mais quand je pars en Israël, les franco-israéliens qui sont installés depuis de très nombreuses années en Israël m'interrogent angoissés sur l'état de la France. Je suis d'accord avec vous. Et moi je me suis construit politiquement dans le fait que le petit blanc des banlieues, c'était le nouveau juif. C'était le nouveau juif souffrant. Ce que vous dites, moi je trouve ça bien, parce que dans le fond, c'est un peu ce qui correspond à mon expérience, c'est que ceux qui aiment beaucoup Israël aiment beaucoup la France. Bien sûr. Et ceux qui n'aiment pas Israël n'aiment pas la France. Bien sûr, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça, c'est quand même un truc assez étonnant. Mais non, enfin ça n'est pas... C'est pas étonnant, Oui, absolument. Je comprends, ça me paraît une très bonne chose. L'idée alimentée par l'extrême droite, je parle de la vraie extrême droite, comme quoi les Juifs vendraient la France pour Israël, elle est stupide et ne correspond en rien à la réalité. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais écoutez, ça me fait grand plaisir, cher maître, que vous veniez nous voir. Plaisir équitablement partagé. Et voilà, et puis, on a du boulot. Oui. Je crois qu'on a quelques années devant nous, on va devoir beaucoup travailler. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas y aller. Ah, mais on est là pour ça. Il n'y a de défaite honteuse que des batailles qu'on n'a pas livrées. Nous sommes d'accord, on est là pour ça. On est là pour ça. Merci beaucoup, cher maître. Merci à vous. Thank you.